je t'avais sauvé d'un incendie. Tu rigoles? C'est moi qui t'ai sauvé. Quoi? Si j'avais pas été là, tu serais resté dans les flammes. N'importe quoi. T'es qu'un menteur d'abord. Je crois bien que c'est elle qui l'a sauvé. C'est lui, je suis sûre, je m'en souviens. Lui? Même que c'était moi la meilleure pompier. Pop, 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 pop. Je me souviens très bien de cette histoire et je vais vous rafraîchir la mémoire. Tout avait commencé le jour du bal des pompiers. Et quand la sirène retentit, ils foncent dans leur camion. Ils font vite, vite. Il faut que je fasse vite, les pompiers m'attendent. Personne ne voulait installer les lampions sur le toit de la caserne, alors je me suis dévoué. Je vais venir avec toi. Les voisines m'attendent là-bas pour décorer les tables. Hein? Et les flammes, ça leur fait pas peur aux pompiers. D'abord, ils ont peur de rien. Et après, hop, ils déplient leurs lances en criant. Allez, Polo, on y va. Et ils arrosent, ils arrosent. Et après, ils vont sauver les blessés. Et voilà. Après, ils rentrent dans leur caserne. Bravo! Ça a l'air génial d'être pompier. Mais ça a l'air fatigant. Et alors? Fatigant ou pas, je serai pompier quand je serai grand. Allez, c'est à nous maintenant. On n'a qu'à dire qu'il y a un incendie en haut de la colline et que trois pompiers arrivent pour l'éteindre. Et moi alors? Toi, tu seras la victime. On viendra te sauver quand on aura éteint l'incendie. Ah non! C'est au pompier que je veux jouer. Pas la victime. Moi aussi je vais être pompier quand je serai grande. Parce que les pompiers, ils sont courageux et sportifs. Comme moi. Trois pompiers. Et pourquoi pas bûcheronne, templier? Et pourquoi je serais pas pompier, moi? Mais parce que t'es une fille. Et alors? Il y a des filles qui sont bien plus dégourdies que des garçons. Et plus courageuses aussi. Ah oui? Et lesquelles, hein? La maman de votre amie Babrenelle. Elle a gagné la course des RL et tous ses concurrents étaient des hommes. Mais peut-être qu'elle a eu de la chance. Ta-ta-ta-ta-ta. Qui vous a mis dans la tête que les filles ne pouvaient pas faire aussi bien que les garçons? C'est un peu vrai, Gine. Il y a certaines choses que les garçons sont plus à même de faire. Faux! Je peux citer des tonnes d'exemples qui prouvent le contraire. Mais oui, tu me raconteras tout cela en chemin. Bon, écoutez, je viendrai vous chercher en fin d'après-midi, les enfants. Et n'oubliez pas, tous les villageois doivent préparer un petit quelque chose à manger pour le bal. Cuisiner, c'est pas un truc de fille, ça? C'est malin! Tiens, nous allions justement chez vous. Montez, il y a encore de la place. Vous avez pensé au lampion? J'ai tout ce qu'il faut. Laissez-moi 10 minutes et votre caserne illuminera toute la prairie. Comme quoi ça sert parfois d'être une fille. Demandez à Pirouette, c'est une fille. Bon, ça va. On n'a qu'à faire un jus de carotte? Oh non, dommage parce qu'il y en a plein là. Zinia, on a déjà pressé des litres. Il nous faut quelque chose d'original, de délicieux et de rapide à faire. Ça, Pirouette. Il y a plein de pommes. On n'a qu'à faire des beignets avec. Ouais. Mais on peut pas. Zinia nous a interdit de nous servir de la cuisinière. On est trop petits. Moi, je suis petit. Mais
vous, vous êtes grand. Parfaitement. En plus, ce sera vite fait. Tout est marqué dans le livre de Ginia. On ne peut pas se tromper. Merci beaucoup. Bonjour, Julia. Bonjour, madame. J'ai apporté deux paniers pleins. Est-ce que ce sera suffisant? Ça va être un jeu d'enfant. Écoutez, tout le monde a fait quelque chose et on est nombreux ce soir. Bon, je m'occupe de... Onésime. Voilà, merci. Hmm? C'est sur celui-ci que doivent être accrochés les lampions. Oh, d'accord. Oh, oui, s'il vous plaît, il mange toutes les pommes. C'est pas vrai. Pomme Renette, coupée. Ah, pâte à beignet. C'est bon. Alors, à nous les beignets flambés. Oh, les beignets, j'adore ça. Et chacun tour de partie. Ouais, c'est moi le prof. Non, c'est moi. Et hop, dans la pâte. Mmh. Attendez, attendez, mon beignet de moi aussi, il est prêt. Mais t'es folle, surtout pas d'eau. Mais écarte-toi. Oh. Eh ben, on a eu chaud. À nous les beignets brûlés, oui. Super, la pompier de service. Va falloir que tu prennes des cours parce que t'as fait exactement l'inverse de ce qu'il fallait faire. Mais j'ai eu peur. C'est justement pour ça que les filles peuvent pas être pompiers. Elles ont peur de rien. C'est pas très grave. On va tout nettoyer et après, on pourrait aller ramasser des fraises des bois. C'est bon aussi, une soupe de fraises des bois. Bonne idée. Ouais. En plus, c'est moins dangereux. Ouf, allez-y sans moi, ramassez vos fraises. Oh. Moi, je suis une fille, je vais vous ralentir. Hein? Et allez, Madame Boud. De toute façon, c'est toujours comme ça avec elle. Oh. Oh. Tu es sûr que ça va aller? Ça perd l'hypopèse, Inia. C'est quand même moi qui ai réparé la toiture après la tempête de l'année dernière. Oui, mais notre toit est bien deux fois moins haut que celui-là. Vous n'avez rien à craindre, Zinia. Avec ça, il ne peut rien lui arriver. Et les filles, elles sont moins dégourdies que les garçons, nananère. Eh bien, puisque c'est ça, je jouerai plus jamais avec eux. On devrait peut-être lui dire de venir avec nous. Oh. Vous pensez pas? Oh non, qu'elle fasse la tête si ça lui chante. Nous, on a des trucs... Moi, la tête? Est-ce que j'ai une tête à faire la tête? Pour s'amuser. Et on y va pour danser. Et pour voir les copains. Mais non, Dandelion. Ce sont des mots en « et » que tu dois trouver pour que ça rime avec pompier. Oh.
Ah oui, c'est facile. Comme Miss Toufflet, c'est normal, il veut être pompier. Alors que Pirouette, ça rime avec cacahuète. En parlant de pompier, pourquoi on n'irait pas déposer notre cueillette à la caserne? Comme ça, on verrait les lampions que papa a installés. Ouais, 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 ouais. Les lampions. Oh non! Au secours! Alerte! J'appelle les pompiers! Il n'y aura pas de cascade aujourd'hui. Lorsque je me suis retrouvé là-haut, eh bien, j'ai été pris d'un vertige et je suis redescendu illico. Le vertige? Mais t'as pas le vertige, toi, papa? Eh si, ça arrive à tout le monde. On n'a qu'à demander aux pompiers. Ils sont forts, eux, ils vont les installer, les lampions. Ils ont été appelés pour une urgence il y a quelques minutes. Bah mince, alors. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de lampions colorés au bal de ce soir. Un bal de pompiers sans lampion, ce n'est pas un vrai bal. Je vais la faire briller, moi, cette caserne. Non, mais Zinia, attends. Tu n'es pas sérieuse? Si papa a eu le vertige, qu'est-ce que ça va être avec elle? Zinia, ça va? C'est bon. Ouais, bravo, Zinia. Ouais. Zinia, t'es géniale. T'as réussi. J'ai eu peur. Oh là là, moi aussi. Bravo, tu as été formidable. Et encore, vous n'avez pas vu le clou du spectacle. Bravo, c'est magnifique, bravo. Est-ce que t'as eu le vertige? Un peu, oui, mais j'ai pris sur moi. Cela fait 30 ans que je viens au bal des pompiers et je n'aurais jamais cru qu'un jour, c'est moi qui illuminerais la soirée. Tu es patente. Et je retire tout de suite ce que j'ai dit. Les filles et les garçons peuvent tout faire. Cela dépend juste de leur capacité et de leur personnalité. Ça veut dire qu'un jour, Pirouette sera peut-être pompier? Alors que Miss Toufflet, eh bien, il n'en sera peut-être pas capable. J'aimerais bien voir ça. En parlant de Pirouette, je n'aime pas trop que vous l'ayez laissée seule à la maison, même si vous vous êtes disputée. Allez, hop, on file lui raconter l'exploit de votre tante. Quand même, t'es trop forte. Vas-y, donne-moi du mou. Point d'attaque, la façade. Non, j'ai
c'est comme quand tu joues au toboggan avec tes frères. C'est bon, vas-y. Oui, c'est bien, saute maintenant. Bravo, Pirouette. Tu es très courageuse, bravo. Merci. C'est une super tata et on en est gaga. Et elle aide les pompiers. Mais non, Dandelion, ce sont des mots en A qu'il faut pour que ça rime avec Zinia. Mais elle aide vraiment les pompiers. Ah oui, mais c'est pas le problème là. Regardez, le feu. Mais on l'avait éteint pourtant. Quoi? Mais... Oh non. Tiens, bois un peu. Papa Zinia. Oh, ma chérie, tu vas bien? T'as eu peur? Mais enfin, que s'est-il passé? Ben, on a un peu touché à la cuisinière quand vous êtes partie. Non, vous avez pourtant... Bon, le principal, c'est qu'il ne te soit rien arrivé. Oh, papa, je te demande pardon. Je te promets qu'on recommencera plus jamais. Hé, actionnez la pompe! En avant, sécurisez le périmètre! Éloigne-toi, petit. Les flammes sont puissantes et la maison risque de s'écrouler. S'écrouler? Mais c'est pas possible, c'est notre maison! Passez par la cave! Vous pourrez éteindre le feu de l'intérieur! C'est horrible, horrible! Elle est cassée, la maison, papa! Ça ne sert à rien de rester ici. Il vaut mieux s'éloigner. Où est Miss Toufflet? Je vais le chercher! Miss Toufflet! Miss Toufflet! Miss Toufflet! Vous n'avez pas vu mon frère? Il a une casquette! Non! Mais pousse-toi de là, ça pourrait être dangereux! Je viens avec vous, ce sont mes enfants. Hors de question, c'est beaucoup trop dangereux et vous n'avez pas de protection. Là, Pirouette! Miss
Mistouflet. Bravo. Bravo. Venez, mes enfants, venez. Oh, mais enfin, comment avez-vous pu courir un tel risque? Merci, merci beaucoup. Vous pouvez être fiers d'eux, monsieur. Ils ont été très courageux. T'as vu, c'est une fille. Fermez, démontez, roulez les tuyaux. Je voulais juste sauver la maison. Ben oui, et moi je voulais juste sauver Mistouflet. Saprelotte, mille carottes, vous êtes trop petit pour jouer au sauveteur. Beaucoup trop petit. Que vous soyez fille ou garçon, d'ailleurs, cela est bien égal. Ce qui compte, c'est l'âge et l'expérience. C'est pas demain la veille qu'on sera pompier des airelles, Sorette. Ça, c'est certain. Mais quand vos têtes de linotte rempliront ces superbes casques, cela voudra dire que vous êtes enfin capable de jouer dans la cour des grands. Bon, il est trop tard pour débuter le bal ce soir, mais que diriez-vous d'aller souper chez Badiane? Oh, ouais! Génial! Tous chez Badiane! Tu sais quoi, Sorette? Finalement, je trouve que ces casques vont aussi bien aux filles qu'aux garçons. Mais on va tous grignoter des beignets et des pissenlits. Oh, et...